Sire, vite, votre cousin, le duc de Guise. Allez dans vos appartements, ma douce amie. Une affaire à régler, je vous rejoins. Sire. Faites entrer l'hérétique. Seigneur, si vous voulez bien vous donner la peine. Il est plus grand mort que vivant. Qu'est-ce que tu fous? J'arrive. Oh putain, les gars, arrêtez! Arrêtez, il est vraiment mort! Écartez-vous, capitaine des champs, police judiciaire. Arthur appelle les secours. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de passer dans la pièce à côté. Et dressé à disposition de la police, s'il vous plaît. Jean-Yves Bélion, gros entrepreneur de la région. J'ai constaté le décès il y a à peu près 15 minutes. Vous déplacez pas le corps avant l'arrivée du légiste. Attends, je reviens. Anna. Anna! Je croyais que vous aviez été mutée à Paris. J'ai déjà vu ça quelque part, non? Bon, Kevin, tu feras attention à ce que Madame de Navelle ne s'éloigne pas, d'accord? Tu viens avec moi, toi. Je demande à confiner les témoins, elle essaye de s'éclipser. Bonjour d'abord. Bonjour. Comment tu vas depuis le temps? Ça va. Avoue que son attitude est suspecte. Écoute, tu crois pas que tu vas un peu loin, Alice, non? Les secours m'ont parlé, ils m'ont dit que Jean-Yves Bélion avait fait une crise cardiaque. Eh ben, ils ont tort, c'est une asphyxie. Ah oui, qu'est-ce que t'en sais? Regarde, tu vois les pétéchis qu'il a sous les yeux? Il s'est asphyxié tout seul dans un lit. Ça ressemble à un empoisonnement, ça, non? Ouais, ou un œdème laryngé, quelque chose comme ça. Tu conclus un peu vite, comme d'habitude. Et toi, comme d'habitude, tu choisis la thèse qui va faire le moindre mot possible. La victime était un gros industriel de la région. Tu m'as l'air bien renseigné, dis-moi. Arthur m'a dit que c'était le numéro 1 du Botox. Il avait fait une OPA sauvage sur le laboratoire d'Orvéal. C'est un profil à avoir des ennemis, ça, non? Peut-être, ouais. La reconstitution historique, c'était pour lui. Commandant? Excusez-moi, commandant. Ouais. Le légiste vient d'arriver. Bah, qui monte? Bah, on va voir ce qu'il en pense, lui. On va rien voir du tout, Alice.
Oh, Denis, j'étais sur les lieux. T'étais sur les lieux parce que t'as été invité par Arthur qui voulait se faire complimenter par son ex-belle-mère. Pas comme flic. J'ai plus envie qu'on mélange. D'accord? Je fais quoi, là, alors? Tu commences par enlever ce déguisement ridicule, tu remets des fringues de civil et puis tu prends ton train pour Paris. C'est clair? Pourquoi j'ai l'impression que t'essayes de préserver Anna? Parce que tu mélanges tout, je te l'ai déjà dit. Et j'ai plus envie de ça. La sortie, c'est par là-bas. Merci. Comme tu veux. C'est ta juridiction. Ouais. À dans 10 ans. C'est ça, ouais. À dans 10 ans. Ouais, et toi, comment tu te sens? On nous a dit d'attendre, alors j'attends. Ah ouais, un officier va venir prendre ta déposition. T'étais magnifique en duc de Guise. Ouais, tu trouves? Ouais. Ah ouais, vraiment, t'as du talent, t'as raison de t'accrocher. Bah, merci. Je suis contente de t'avoir vue. Attends, mais tu t'en vas pas, là? Bah si, je rentre à Paris. Mais non, mais tu peux pas me faire ça, enfin, tu vas pas me laisser seule avec lui. Si c'est ton père dont tu parles, je peux pas faire autrement. Hein. Mais pourquoi? Enfin, t'es flic, toi aussi, non? Moi, je veux pas que ce soit lui qui m'interroge, hein. Ça, je te le dis direct. Ah, oh, ton père est pas non plus. Mais non, mais tu sais très bien comment il est avec moi. Chaque fois qu'il me voit, il passe son temps à me rabaisser. N'exagère pas, c'est pas entre vous deux, là. J'exagère pas, il est ignoble. Et de toute façon, tu peux pas savoir, t'es pas là. Allez, s'il te plaît, reste. Je vais voir ce que je peux faire. Pareil. C'est arrivé. J'étais un peu en retard, j'étais en train de passer mon costume et un homme m'a agressé pour me le voler. Je vais vous aider à vous relever. Oh, merci. Je suis capitaine des champs, police judiciaire. Antoine Le Rigouleur, je suis le chargé à la culture de la mairie de Blois. Vous le connaissiez? Non. Vous pourriez le reconnaître? Ouais, je crois. Tenez, prenez mon blouson. Merci. En route pour Paris. Tes hommes allaient relâcher les invités alors qu'on a la possibilité de savoir qui l'a agressé. Ouais, merci du coup de main. Avec un peu de chance, tu devrais pouvoir éviter les bouchons sur le périph. Il y a eu agression, reconnais que ça accrédite la thèse de l'homicide. Tu sais qui aurait pu en vouloir à Bélion? C'est un connard égocentrique et sans pitié, la liste est longue. C'est lui! Quoi? C'est lui! Le suspect se nomme Patrick Brun. C'est un agriculteur de la région. Il se plaint d'avoir été spolié de ses terres quand Bélion a racheté l'usine de la famille d'Orvéal. Il affirme avoir volé l'habit de Le Rigouleur uniquement pour rester incognito et se livrer à des actes de protestation, pas pour s'en prendre physiquement à Bélion. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je crois qu'il faut attendre le résultat de l'autopsie avant de me prononcer. En tout cas, Brun est notre suspect numéro 1. Il est immobile, il est capable de violence, on le sait. Maintenant, reste à savoir s'il s'agit d'un homicide. Bon, bah très bien. Tu me tiens au courant du déroulement de la garde à vue. Ok. Merci, monsieur le procureur. Denis? Ouais? Faut que je te parle d'autre chose. Ma hiérarchie a appelé. Et
a beaucoup insisté pour que tu sois secondé dans cette enquête. Ah. Ouais. Qui ça? Alice. Alice Deschamps? Ouais. Tu te fous de ma gueule, là? Alice, c'est mon ex-femme. Hein, je suis bien placé pour savoir que c'est une emmerdeuse de première. Toi aussi, tu le sais, d'ailleurs. On n'arrivait déjà pas à bosser ensemble quand on était mariés. Putain, ça va donner quoi, ça? Mais prends pas comme ça, Denis. Tu sais bien que moi, quand ta hiérarchie le demande, ben, elle obtient. Puis moi, j'y suis pour rien dans cette décision. Ah ouais? Ça vient d'où, alors? Mais on s'en fout d'où ça vient. Faut que tu te fasses une raison. Bon, je peux compter sur toi? Vous me faites chier, Pascal. Tu sais ça? Vous me faites chier. Ça veut dire oui, quoi. Je suis sûr que le commandant, il appréciera. Ah, mon petit Kevin, il faut vivre dangereusement. Il est si dur que ça avec vous, le commandant? Je dirais pas dur, je dirais plutôt exigeant. Moi, j'appelle ça avoir un balai dans le cul. Il est rancunier avec ça. Je suis sûr qu'il a un surnom? Non. Ah, Kevin, soyez pas timide. Ouais, j'ose pas, mon capitaine. Allez. Le cannibale. C'est quoi ce bordel, Kevin? Hein, c'est pas marqué bureau du capitaine Deschamps ici, c'est une salle de réunion. Tu me remets tout en place comme avant. Hors de question. Kevin, non seulement tu me remets tout en place comme avant, mais tu transmets aucune information au capitaine Deschamps, d'accord? Tout ce qui arrive, ça passe par moi. Kevin, vous touchez à rien, Denis. Ouais. C'est quoi ça? C'est ton orgueil qui parle? Non, c'est le chef d'enquête qui parle. Ouais, moi je crois que c'est surtout un petit conflit d'intérêt. Ah ouais? J'ai peut-être un référent au procureur. Bah tu fais ce que tu veux, embrasse-le pour moi tant que tu y es. J'y manquerai pas. C'est ça, ouais. Le légiste est prêt à rendre ses conclusions. Je préviens le commandant. Non, laissez, je vais m'en occuper, je vais y aller moi-même. Ça reste entre nous. Hein? Vous savez déjà, M. Bélier, on n'est pas mort d'un arrêt cardiaque, mais par asphyxie. L'autopsie n'a rien donné sur ce plan-là. J'ai donc fait faire en urgence une analyse sanguine. Et le résultat est sans appel. Il a été empoisonné. Donc c'est pas un accident, c'est un homicide. La nature du poison laisse peu de place au doute. D'après les résultats du labo, M. Bélier est mort d'une surdose de toxine botulique pure, autrement appelée Botox. Du Botox? Oui, quand il est dilué à un 10 000e avec un solvant, le Botox sert à effacer les rides, à donner l'illusion de la jeunesse. Pur, c'est un poison redoutable. Bélion avait fait fortune avec le Botox, il en est mort. Comment il l'a ingéré? À l'œil nu, c'est très difficile à voir, mais regardez. Vous voyez, la piqûre est si fine qu'il a même pu ne rien sentir. Minutes après, M. Bélion a dû commencer à ressentir les premiers signes d'essoufflement. L'oxygène a dû manquer au cerveau. La faim a dû être très rapide et totalement silencieuse. Assassiner Bélion avec du Botox, ça ressemble à un acte de revendication. Et ça pourrait coller avec le mobile de Brun. Oui. Et t'avais pas à y aller sans moi. Et t'en es où avec Catherine de Médicis? Arrête, avec ce surnom ridicule, franchement. Mais c'est pas comme ça qu'on appelle Anna de Navelle. Écoute, tu t'étonnes un peu que j'ai pas envie de bosser avec toi sur cette affaire. Bah, vu le passif entre vous deux, je suis en droit de poser des questions. Hein. Alice, ça fait 10 ans qu'on est divorcés. Hein, 10 ans. Tu n'as plus aucun droit sur rien. Mais je te parle pas de ça, et tu le sais très bien. Je l'ai pas vu être interrogée au château, tu l'as laissé partir, pourquoi? Parce que c'est une femme influente. Que je suis DPJ de cette ville. Oh. Quand on est DPJ d'une ville comme Blois, on fait attention à ses notables. Que je suis souple là où toi tu es rigide. Mmh. Et que moi, je mets les formes où toi t'arrives avec tes gros sabots et tu fous ta merde. Et accessoirement parce que vous couchez ensemble. Non, c'est fini. Ah ouais? Ouais, tu vois, c'est fini. Tu me crois si tu veux. Tu me fais chier, Alice. Bon alors, monsieur Brun, quand est-ce que vous avez organisé cette manif autour de l'usine? Je sais plus, ça va faire un an. Mais c'est là que vous avez volé le poison? Mais non! De là où vient l'idée de vous venger, en faisant payer Bélion par là où il a pêché.
Ça vous travaille, ça devient une obsession. Seulement Bélion. Bélion, il est inaccessible, Bélion. On le sait tous. Hein? Alors, vous attendez le moment venu et vous profitez du spectacle pour réaliser votre rêve. Vous venger, le tuer. Allez dans vos appartements, Madoussami. Une affaire à régler, je vous rejoins. Sire. Je voulais juste lui parler, ça fait une heure que je vous le répète. Où est-ce que vous avez jeté l'aiguille? Mais il n'y avait pas d'aiguille. Et le reste du botox, vous l'avez stocké où? Quel botox? Monsieur Brun, Bélion vous a exproprié. Il a volé les terres de vos parents. Il vous a mis au chômage. Et tout ce que vous trouvez à faire, vous, c'est essayer de lui parler, c'est ça? Moi, à votre place, j'aurais essayé de me le faire, le mec, c'est humain. Eh ben moi, je voulais juste lui parler. Ok. Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement, là? Je vous écoute. D'accord. Là. Je suis venue voir où tu vivais. C'est drôle ces maisons troglodytes, hein. Vous les restaurez, c'est ça? Ouais, mais c'est pas fini. Ça, je vois, ouais. Et eux, c'est le reste de la troupe? Ouais. Ça s'est bien passé ton audition? Moi, j'ai pas vu Denis, donc tant mieux. Bon, écoute, Arthur, tu tires une tronche, là. Je croyais que tu voulais qu'on se voit. Juste, c'est pas le bon moment, c'est tout. Bon, bah, merci pour l'accueil. Mais non, mais s'il te plaît, fais pas chier, Alice. C'est pas le bon moment, voilà. Ok. Bonjour. Alors, on récapitule? Oui, il faut que je visionne toutes les vidéos et que je les compile pour retracer les 30 dernières minutes de la vie de la victime. Pourquoi 30 minutes? Parce que ça correspond au temps d'action de la toxine botulique. Elle a forcément été administrée durant ce laps de temps et tous ceux qui l'auront approchée seront considérés comme suspects. Et de quelle couleur était le collant de Bélion? Gris-souris, pourquoi? C'est important? Non, c'était juste pour savoir si vous notiez vraiment tout. Le labo a procédé à des prélèvements sur les vêtements portés par tous les participants à la fête. Ils ont trouvé des traces de toxines botuliques pures dans cette gourde. Elle a vraisemblablement servi à transporter le poison. On l'a déjà vu quelque part, hein? Thank you.
confirmer ça malentendu. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Denis, on parle d'Arthur, là. Je sais. Comment tu peux douter de ton fils à ce point? Mais parce que je le connais, Alice. Moi aussi, je le connais, je l'ai élevé, je te rappelle. Ouais. Tu t'en es occupé quand il était tout petit, hein. Moi, je l'ai élevé après, tout seul, d'accord? La faute à qui? Toi, tu connais le petit garçon en pyjama qui allait chercher ses œufs de Pâques dans son jardin. Moi, je te parle d'un môme qui planque sa cam au fond de son slip. C'est pas le même ressenti, figure-toi. Et tu crois pas que toutes ces conneries, c'est un message adressé à son père flic? Ben, le message, il passe pas. Tu veux que je te parle du nombre de fois où j'ai été le chercher au commissariat? On en parle? Mais il va mieux, là. Il a trouvé sa vocation. Sa vocation, ouais. Traîner avec sa bande de fumeurs de joint, là. Tous ces clowns. Mais il veut devenir acteur, il faut bien commencer quelque part. Écoute, Alice, je trouve ça très touchant que vous vous soyez retrouvés. Vous vous entendez bien? Ouais, mais te laisse pas manipuler par lui, il est très fort pour ça, je t'assure. Ah ouais, au point d'être devenu un assassin? Je sais pas. Il s'est peut-être laissé influencer par quelqu'un. Planchis dans les travaux guerriers que pour... Attends, je te réponds. On a eu de chercher, Arthur. Ah, mais non, je bosse, là. Non, je sais que tu bosses, mais il va falloir que tu nous suives, c'est sérieux. Non, bah plus tard, je t'ai dit que je bosse, c'est pas tout. Plus tard. Soit tu me suis maintenant, soit je suis obligé de t'embarquer, d'accord? Non, mais... T'es du nouveau dans l'enquête, on doit t'interroger. Ok, mais là, je suis en train de répéter. En plus, vous m'avez déjà interrogé, donc je passerai plus Arthur, tard, c'est tout. Arthur, t'arrêtes ton numéro à 2 balles et tu me suis, d'accord? Tu dis rien, là, ça? Mais on n'a pas le choix, Arthur. Putain, mais t'es comme lui, en fait. Allez, embarquez-le. T'es sérieux, là? T'as fini ton cinéma? Ouais, sérieux. Ah, ça te fait plaisir. Oui, oui, je suis content. C'est bon, là. Ça va, on fait notre métier, d'accord? Allez, c'est bon. Lâche-moi. Espèce d'enculé, moi. Ouais, on est des ouf, c'est ça. On lui fera pas de mal, vous inquiétez pas. Allez, tout va bien. Arthur. Elle fout-moi la pète, exactement comme lui. Laisse-moi parler. Non, je les connais trop, vos petits trucs à la con, là. Ça y est, t'as mis dans la tête que je m'étais remis à dealer, c'est ça? T'as peur de lui? Et tu me dégoûtes. Arthur, t'es suspecté de meurtre. Quoi? Tu risques 30 ans de prison. C'est quoi ce délire, là? La gourde que tu portais à la ceinture contenait le poison qu'a tué Bélion. Tu l'as trouvée où? J'en sais rien, enfin, je... Réfléchis bien, là, c'est important. Mais comment ça, c'est important? Je sais rien, je... Dis-moi, bordel, tu l'as trouvé où? Mais je le connaissais même pas, ce type, pourquoi je l'aurais tué? Non, mais Alice, j'ai rien fait, là. Quelqu'un te l'a donné? Oui, quelqu'un, enfin, je sais pas, j'en sais rien, oui. Alice, j'ai rien fait. Faut que tu me crois, là. Tu me crois, Alice? J'ai rien fait. Putain, mais c'est pas possible. Mais c'est... J'ai revu les différents éléments et comme je vous le disais... Soit qu'étant donné vos liens avec le principal suspect, vous ne pouvez plus mener cette enquête. Hein. Ni l'un, ni l'autre. Je comprends. Mais pas moi. Bah, c'est évident, vous l'avez élevé, ce garçon. Ah, mais c'est faux. Bah si. Mais aux yeux de la justice, j'ai élevé personne. Le juge a même été très clair à ce sujet quand il a accordé la garde exclusive à Denis en 2010. Le statut de belle-mère n'existe pas. Ouais, enfin, il y a l'esprit de la loi et... L'esprit de la loi qui m'a empêché de voir Arthur pendant 10 ans. Cet esprit-là, vous voulez dire? Enfin, je comprends votre position, mais moi, ce que j'aimerais... Non, mais... Ma position est celle de la justice, et je comprends que vous pensiez différemment, mais sachez que je n'hésiterai pas à demander un arbitrage. Je reconnais que vos arguments sont bien fondés, mais si vous voulez bien, je vais me donner le temps de la réflexion. Très bien. Mais je peux travailler pendant ce temps-là. Ah oui. Arthur pourrait être assigné à résidence sous contrôle électronique. Il serait cloîtré à la maison à dispo de la justice, non? C'est un petit peu prématuré, mais emmenez-moi des éléments nouveaux et on en reparle. Ok. Merci, monsieur le procureur.
sans con. Ouais, tu peux, ouais. Au moins, grâce à toi, Arthur aura droit à autre chose qu'une enquête à charge. Tu le crois plus coupable? Je sais pas, j'en sais rien. Mais le rocher, elle est comme un bébé, comme tout à l'heure, ça m'a secoué. Je crois que je suis plus objectif, en fait. On va le sortir de là. Tout ce que vous m'avez demandé. Les services numériques viennent m'envoyer le montage et ça a vraiment de la gueule. Hein. Ah oui, vous avez trouvé un titre? Ouais. Les 30 dernières minutes de Jean-Yves Bélian. Pas mal, non? Je peux? Oui. À toutes et à tous, le spectacle commence dans une heure. Vérifiez bien vos costumes et accessoires. Voilà, merci. Attends, mais c'est Bélian, ça? Fort comme début, non? On sait qui est la fille? Pas du tout. Elle est sur aucune liste d'invités, elle est pas déguisée. C'est le mystère complet. Hein. En tout cas, elle s'est suffisamment approchée de Bélian pour avoir pu lui faire la piqûre de Botox. Bon, continuez. Ça, par contre, ça risque de moins vous plaire. Bon, merci, ça fait plaisir. Je stresse un peu là, mais... En plus de la gourde, Arthur a eu un contact rapproché avec la victime. J'ai noté dans le rapport. Je suis désolé. Mais il faut pas. On n'est pas là pour me faire plaisir, pour trouver la vérité. Vous avez pas noté ce que je viens de dire, là? Ça vous embête? Non, mais sérieusement. Ok. Donc après avoir revu toutes les images, j'ai identifié deux autres suspects potentiels. Là, il s'agit de Julie Dorvéal. C'est la fille du fondateur des laboratoires Dorvéal racheté par Bélian. Plus tard, on va aussi le voir en train d'essayer de l'embrasser durant le spectacle, mais elle a pas l'air d'aimer ça du tout. Et le comédien qui joue le bouffon Chico, c'est Gaspard Maréchal. C'est aussi le metteur en scène de la pièce. Le reste du temps, il travaille au musée de la magie et c'est le dernier qui a eu un contact physique avec Bélian avant sa mort. Ok, j'irai l'interroger. Et Brun, on le voit sur la vidéo? Non. Ses rares apparitions sur les vidéos de surveillance confirment son témoignage. Il est arrivé en retard, il a jamais pu s'approcher de Bélian. Bon, ben voilà un qui voit que petit film aura profité. Remettez-moi la fille du début. Faut trouver son identité. Elle est forcément quelque part. Je dois voir Madame de Navelle. Ça ne sera pas long. Après vous, je vous en prie. Denis, quel plaisir de te voir. C'est toi, tu vas bien rester dîner? Non, je peux pas, j'ai pas le temps. Dommage. Arthur est suspecté. J'ai appris. Je suis désolée. Ça change tout. Si. Si jamais l'enquête venait à te mettre en cause, je pourrais rien faire pour toi cette fois-ci. Bien sûr que si, tu pourrais. T'aurais pas le cœur à m'abandonner. Je suis en train de te dire que mon fils est soupçonné, d'accord? Que ça risquerait de lui retomber sur la gueule. Tu entends ça? Tu peux te bêtises. Qu'est-ce que tu foutais au château, Anna? Comment va ton ex? Un peu forci, non? Tu sais quelque chose sur Bélian? Tout ce que je sais, c'est que tu viens plus assez souvent. C'était bien quand tu venais, Denis. Tu te souviens? Qui c'est qui pouvait lui en vouloir pour faire une chose pareille? Hein?
prêt pour moi, là, s'il te plaît. Bon. Tu me fatigues quand t'es comme ça, Denis. Je vais y aller. Non, attends, reste. C'est trop bête. Tu sais bien que je serais pas capable de faire une chose pareille. Denis, tu me manques. Ça va? T'as besoin d'autre chose? T'as des clopes. Koro, t'as des clopes? Ouais. C'est pour lui. Oh, merci. Dis, j'ai eu accès à ton dossier. Tu m'as jamais dit que t'avais fait la garde à vue. Ah, mais ça, c'était rien, ça. Bah, possession de stupéfiants, insulte à agent, voix de fait, j'appelle pas ça rien du tout, non? De toute façon, il y a jamais eu de suite, non? Mais est-ce que ton père t'a arrangé le coup? Ouais, peut-être, ouais. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Je sais pas, j'avais peur que tu me lâches, en fait. Mais Arthur, je te lâcherai jamais. Mais c'est sûr, ça? Mais bien sûr. Qu'est-ce qui va m'arriver, maman? Bah, on va te sortir de là. Ok, bah, merci, alors. Gaspard Maréchal, pour vous distraire. Capitaine Deschamps. Tenez. Merci. C'est bien vous sur cette photo? Oui. C'est troublant, hein. Ce qui compte pour moi, c'est la transformation. Quel que soit le personnage, Chico, magicien, il faut qu'elle soit totale. Aussi bien psychologique que physique. Et vous êtes aussi metteur en scène? Oui. L'idée, c'était de créer un événement culturel autour du rachat d'Orvéal. Je vous cache pas que ça a été un cauchemar. Pourquoi? Bah, c'est très vite devenu une célébration de l'ego de Monsieur Bellou. Dès qu'il a mis le nez là-dedans, il a voulu tout changer. D'ailleurs, par exemple, c'est lui qui a insisté pour jouer le rôle d'Henri III. Alors que ce rôle était quand même prévu pour un comédien professionnel à la base. Ça a dû vous contrarier? Ça m'a rendu fou, Olivia. En plus, je m'étais réservé le rôle. Du coup, j'ai dû me rabattre sur celui de Chico, parce que c'est plus ce que je suis, hein. Un bouffon au service des puissants. Quels étaient vos sentiments vis-à-vis de Bellion? Je le détestais la plupart du temps. Puis je l'enviais aussi, parce que c'est assez rare de rencontrer quelqu'un, hein, qui assume à ce point-là son égoïsme et sa réussite professionnelle. Il était comment pendant la répétition? Odieux, despotique, égocentrique, un tyran, quoi. Vous êtes opposé? Pas du tout. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Et les accessoires? Quoi, les accessoires? Mais ils venaient d'où? La plupart de mon atelier. Vous voulez voir mon atelier? Ah, volontiers. Alors suivez-moi. Je passe beaucoup de temps ici. Les dagues rétractables, je les fabrique moi-même.
Il y a de l'hémoglobine qui coule quand on les recharge. Et cette gourde, c'est aussi votre fabrication? Non. Pour elle, comme pour les costumes, on a fait appel à une société extérieure. Son nom? Élite Costume. Des connaissances à vous? Non. Non, c'est Bayon qui s'en occupait directement. Ils sont basés à Paris. Moi, je privilégie les sociétés locales. Mm. Pourquoi cette gourde en particulier? C'est confidentiel. Et elle, vous la connaissez? Non. Vous êtes sûr? Ah oui. Un visage pareil, ça s'oublie pas. Un peu comme le vôtre. J'ai un petit cadeau pour vous. Très drôle. Bonne journée. Oui. Merci de me recevoir, en tout cas. Ah, c'est normal, commandant. Comme vous l'imaginez, au labo, on est tous très affectés par la mort de M. Bellion. Ouais, je comprends. Ouais. Mais ma visite n'a rien à voir avec l'enquête. Le dossier m'a été retiré. À cause de votre fils, c'est ça? Oui. Je suis désolé. Je suis là pour une plainte que vous avez déposée le 17 février dernier. Ça commence à dater. Oui, vous avez déclaré que certains manifestants s'étaient introduits dans vos locaux. Vous pourriez me montrer comment ça s'est passé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Alors, ils ont forcé l'entrée principale ici. Ensuite, ils ont pris ce couloir-là jusqu'à la salle de réunion. On a réussi à les contenir par là. D'accord. Il y a des chances pour que quelqu'un se soit introduit dans le labo? Non. Regardez, la salle consacrée à la recherche est protégée par un dispositif de sécurité interne. Rien ne passe ce sas sans que le système ne le détecte. Oui, c'est ici que sont entreposées vos réserves de Botox. Oui, plus spécifiquement dans cette pièce-là. C'est une pièce de sécurité maximum, seulement 15 personnes y ont accès. Et ces 15 personnes, je peux avoir la liste? Sans demande officielle, c'est compliqué. Je comprends. En même temps, si c'était pour mon fils, je ferais la même chose que vous. Merci. C'est sur ce bureau que Pierre de Ronsard a écrit « Mignonne, allons voir si la rose ». Vous connaissez? Et si on se met de son point de vue, on peut même voir le grand rosier de la cour principale. D'ailleurs, pour finir la visite du manoir de la Poissonnière, je vous invite à aller vous promener dans nos magnifiques jardins. Merci à vous. Bonne journée. Excusez-moi, la visite est terminée. Ah. Julie Dorvéal? Oui. Donc vous êtes scientifique et guide touristique? Oui. Cette maison appartient à notre famille depuis 3 générations. Je considère que c'est l'honoré que de la faire connaître. Le jour du spectacle, M. Bellion vous a parlé à l'oreille. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je m'en souviens pas. Et c'est vous qui avez choisi d'interpréter la maîtresse du roi? Non. C'est le marketing. Ils ont beaucoup insisté. Ils pensaient que ça aurait une portée symbolique. Ah oui, l'héritière des laboratoires d'Orvéal au roi de son successeur. Un symbole de transmission. Quelque chose comme ça, oui. Et quels étaient vos rapports avec Bellion? Neutre. Mais encore? J'ai gardé mon poste de chercheuse quand il a racheté la société de mon père. C'était mon patron. Voilà. J'ai un petit peu de mal à vous croire. Je me suis procuré les comptes rendus des 3 derniers comités de direction. Et on peut dire bien des choses sur vos rapports, mais pas qu'ils sont neutres. On n'était pas toujours d'accord, mais ça restait professionnel. Kevin. Donc, vous avez moins de compétences que mes rats de laboratoire. Cette décision est digne du clown que vous êtes. Vous êtes vite comme une outre. Je continue? Oui, oui, lisez la suivante. Vous avez tout du port. J'ai mon franc-parler. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Bellion a profité des difficultés financières des laboratoires d'Orvéal pour réaliser une OPA et rentrer dans le capital. Exact. Il a ruiné votre père, Christian d'Orvéal. Oui. Suite à quoi celui-ci a fait plusieurs séjours à l'hôpital. Écoutez, je sais pas où vous voulez en venir.
Mais je m'en serais jamais pris physiquement à Bélion. Non, mais vous avez un mobile. Vous êtes venu pour m'arrêter? Non, non, pas encore. Dans ce cas-là, la visite est vraiment terminée. Très bien. Je vous cache pas qu'on risque de se revoir très très vite. Très bien. À bientôt alors. Hein? Au revoir. À bientôt. Julie Dorvéal connaît le Botox pour l'utiliser tous les jours dans ses recherches. Elle est capable de l'avoir dosé et de l'avoir inoculé. Et c'est la seule scientifique parmi les suspects. Elle est aussi la seule à avoir accès libre à la réserve sécurisée de Botox. Et on a plusieurs témoins qui rapportent que Bélion avait une attitude très déplacée vis-à-vis d'elle. Oui. Je pense que retenir mon fils en détention ne s'impose plus. Et vous suggérez quoi? De le placer sous contrôle judiciaire comme je l'ai proposé la dernière fois et que je le garde à la maison. Je m'engage à ce qu'il se présente au commissariat tous les jours. Et si tu penses qu'en disant non, Alice préviendra pas ta hiérarchie, là tu te gourres, Pascal. C'est pas vrai, Alice? Ah non, je suis sûre que monsieur le procureur n'aura pas besoin de ça pour prendre la bonne décision. Si vous pensez que je vous ai attendu pour prendre une décision. Merci, monsieur le procureur. Merci, Pascal. J'aurais pu rester en tôle aussi. T'es quand même mieux ici, tu crois pas, non? Avec ce putain de bracelet, là? Non mais tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? Écoute, y'en a pour quelques jours, ça va, c'est bon. Mais c'est un truc de facho, ça! Bande de flics de merde! Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu, celle-là. Tu devrais penser à te renouveler un petit peu, Arthur. Tu vas finir par lasser ton public, t'entends? Ah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. 1, 2, 3... 4. Timing parfait. Timing parfait. Moi, tu me payes un verre? Carbonara. Ouais. Je suis sûr que t'en as jamais mangé des meilleurs. À jamais. Tu vois. Ben, au fond, on n'était pas si mal, toi et moi. Quand j'y pense. Quoi? La gueule que tu fais depuis tout à l'heure, là. Tu te rends compte que t'es en train de me... C'est toi qui merdes surtout. Je sauve ton cul toute la journée, pauvre con. Tu merdes dans le boulot, tu merdes avec ton fils, tu merdes dans ta vie privée, tu me fais chier. C'est tout le quotidien de me faire chier, putain. Tu m'emmerdes. Ça dépendait des jours, quand même, non? Oui. Oui. Ok, j'arrive. Il est où? On a identifié la jeune fille qui embrasse Bélion sur la vidéo. Elle est logée chez Anna de Navelle. Bah, je savais pas, moi, je te jure. Mais quoi? Amis.
Anna, je peux vous parler? Ça devrait pouvoir attendre. Non. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Désolée. Vous la connaissez? Bien sûr, c'est Jonna Dimova, l'une de mes protégées. C'est-à-dire? Elle fait partie d'un groupe d'étudiantes en tourisme, bulgares comme moi. Ces filles sont hébergées ici pour être formées comme hôtesses culturelles, dans le cadre d'un échange avec la région. Et vous savez où elle se trouve actuellement? Je crois qu'elle est rentrée à Sofia. Vous croyez? Écoutez, j'ai pas de nouvelles d'elle depuis des semaines. J'en ai conclu qu'elle était rentrée chez elle. Et donc vous ignoriez sa présence au spectacle du château? Totalement. Et sa liaison avec Bayou? Aussi. Vous me prenez pour une conne. Quand une fille arrive de Bulgarie, je l'accueille comme si c'était la mienne. Si j'avais été au courant d'une liaison entre Bélion et Johanna, je leur ai conseillé de prendre cette distance. Et je l'aurais protégée, comme une mère protège ses enfants. Malheureusement, elle ne m'en a rien dit. Et vous n'avez rien soupçonné? Disons que j'ai tout de suite vu qu'elle était un petit peu instable. Mais que pouvais-je y faire? Vous savez tout de même pas l'enfermer. Pourquoi étiez-vous au spectacle du château? Parce qu'on m'y avait invité, tout simplement. Et vous? Et vous avez une idée de ce qui aurait pu causer la mort de Bélion? Ah oui. Je sais même qui l'a tué, si ça vous intéresse. Avant que vous n'arriviez, nous étions en train d'interroger les esprits pour savoir qui a tué Bélion. Ils nous ont répondu et... le nom de l'assassin est inscrit dans ce carnet. Ça vous tente de connaître la vérité? Ça vous dit quelque chose? Bonne soirée. Elle fait de la magie noire, comme Catherine de Médicis. Et aussi arrogante qu'elle, elle m'a menti ouvertement. Comment tu peux? Comment je peux quoi? De quoi tu parles? Bah, tu l'as protégée avant, tu la protèges maintenant, rien n'a changé. T'es pas objective, Alice. Ah bon, pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Mais j'en ai rien à foutre que vous couchiez ensemble. Ça n'a jamais été le problème. Ouais, c'est ça. C'est l'idée que tu sois devenu un pourri que je supportais pas. Je suis partie pour éviter d'avoir à te mettre en tôle moi-même. Bah ouais, t'en es encore à ces conneries, quoi. Bah ouais, tu vois, moi j'essaye de protéger ton fils. Ah, putain. Viens moins vite, on voit rien là. Là, là, là. Putain, c'est pas lui. Son bracelet électronique a toujours pas été enclenché. Ouais, ça veut dire qu'il est encore dans le périmètre. Ouais. Si ça se trouve, c'est lui qui a tué Bélion. Non, mais ça va bien, non? Quoi? C'est lui qui a tué Bélion, mais t'es... Et pourquoi pas? Mais t'y crois, sérieusement? Franchement... J'en sais rien. Il y a
jamais supporté qu'on s'engueule de toute façon. Non, ça va, c'est plus un gosse. Ouais. Rappelle-toi la fois où tu m'as jeté ton alliance à la gueule. Tu te souviens de ça? Ah oui, je m'en souviens. C'était mérité plutôt, non? Oui, c'était mérité. Il a tout entendu. Tu m'as jamais dit. Ça aurait servi à quoi, hein? En espérant qu'il ait tout bêtement dormi là. C'est toi qui avais raison, Alice. J'aurais jamais dû demander la garde exclusive. C'était une connerie. Après la mort de sa mère, tu lui as tellement manqué, si tu savais. Jamais compris pourquoi tu t'étais braqué comme ça. C'était contre toi. Et pourquoi? Anna me tient. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fermé les yeux sur pas mal de choses. J'ai fait pression sur des témoins, détourné des preuves, ce genre de conneries. Et elle peut le prouver? Bien sûr qu'elle peut le prouver, tu la connais. Ça veut dire que tu sais pas ce qu'elle cache? Non. Pour l'instant-là, mon fils est accusé, et puis moi, je suis là. Incapable de faire mon boulot correctement, incapable de le sortir de la merde. Ça me rend dingue. Je sais plus quoi faire, Alice. Tu m'en veux? Allô? Capitaine, j'ai une bonne nouvelle. L'affaire est close. Le coupable est dans mon bureau, il vient d'avouer. Je le fais transférer au commissariat. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Vous pouvez nous laisser, Kevin. Merci. Merci, Kevin. Monsieur Dorvéal, pouvez-vous nous répéter les déclarations que vous avez faites à monsieur le procureur? C'est moi qui ai tué Jean-Yves Bélion. Pourquoi? Cet homme m'a tout pris. Comment vous l'avez tué? Je lui ai inoculé une dose létale de toxine botulique. De quelle façon? Je suis chercheur de formation. Il m'a été facile de doser le mélange. Je l'ai piqué, alors qu'il se préparait pour son spectacle ridicule. À quel moment? Juste avant qu'il ne se rende dans sa loge. Je l'ai bousculé. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Comment avez-vous fait pour échapper à la vidéosurveillance? Oh, c'est pas sorcier. Il suffit de faire attention. Et pour vous procurer le Botox, vous avez fait comment?
Vous n'avez aucun accès au laboratoire. J'ai volé le badge de ma fille. Vous avez pris beaucoup de précautions pour pas vous faire prendre. Pourquoi vous dénoncez maintenant? J'ai entendu dire que vous soupçonniez quelqu'un d'autre. J'ai eu honte qu'on accuse un innocent à ma place. Alors j'ai décidé d'avouer. Bon. On va mettre tout ça par écrit. Bien sûr. Gardien. T'y crois, toi? Alice, on a des aveux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais Arthur, on t'a cherché partout. Putain, Arthur, tu nous as foutu une de ces trouilles, franchement. Non, mais j'étais juste avec ma troupe de théâtre. On devait répéter. Et vous répétiez quoi? Le CID. Le CID, tu te fous de ma gueule, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Mais tu m'aurais laissé y aller, peut-être? Ben, je sais pas, oui, peut-être, j'en sais rien. Tiens, Kevin, passe-moi la clé pour le bracelet, là. Merci. Je vais lui enlever ce machin. Alors, ils ont arrêté celui qui a tué Bélion? Ouais. Et pour une fois, il faut croire que t'étais vraiment innocent. C'est marrant, ça. Bon, bah, j'y vais. Je peux te parler? Tu comptes faire quoi pour Anna? Je sais pas, Alice. J'en sais rien. Elle me tient par les couilles. Le Denis que j'ai connu n'hésiterait pas, lui. Hein. Le Denis que t'as connu. J'ai bien peur qu'il soit plus vraiment le même, tu vois. Mais si, c'est le même. Écoute, Alice, je me suis confié à toi parce que j'étais persuadé qu'Arthur avait fait une connerie à cause de moi. Maintenant qu'il est sorti d'affaire, rends-moi service. Oublie ce que je t'ai dit, d'accord? Mais tu penses au moment où tout ça va éclater? Tu penses à ton fils? Allô? D'accord, j'arrive. Hier, M. Dorvéal m'a demandé de consulter le fichier informatique qui gère les accès au labo. Il était fébrile et il a beaucoup insisté. Et comme il a créé cette société, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai accepté. Vous pouvez lui dire ce que papa a trouvé? Oui. Il a épluché les allées et venues pendant des heures jusqu'à ce qu'il trouve ça. Qu'est-ce que c'est? La mémoire système a gardé la trace d'une intrusion au labo. Elle a eu lieu à 3 heures du matin, au moment où le réseau vidéo était temporairement au service. Et on a une idée de l'identité de l'intrus? Oui. C'était ma garde. Je suis jamais venue travailler à cette heure-là, jamais. Oui, mais votre père nous a déjà dit qu'il avait volé votre badge pour entrer dans le labo. D'accord. Mais alors pourquoi est-ce qu'il serait venu vérifier le système alors? C'est absurde. Après avoir découvert l'intrusion, il était vraiment secoué. Il a cru que j'avais volé le Botox pour tuer Bélion. Oui, il s'est même senti très mal. On a dû appeler le médecin. Et il se serait dénoncé pour vous éviter d'être accusé. J'imagine. J'ai rien fait. Et lui non plus. Mais vous pouvez prouver qu'on vous a volé votre badge? Non. Je me suis même pas rendu compte qu'il avait disparu, mais c'est la seule explication, non? C'était vraiment pas mal. Ouais. Maintenant, on va essayer de faire ça beaucoup plus rapidement. D'accord? Okay. T'es prêt? Ouais. Bonsoir, alors, Gaspard, je vais parler à Arthur. Oui, un petit instant, capitaine, s'il vous plaît. Arthur part pour un voyage. Attention. Venez avec moi. Ouvrez la porte, je vous prie. Et voilà. On m'a dit que t'étais ici. Je savais pas que tu faisais aussi de la magie. Ah bah, si on est comédien à Blois et qu'on veut faire 16 heures, faut connaître Gaspard. Mmh. C'est moi qui signe tous les contrats. À l'encre magique. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, il y a de nouveaux éléments dans l'enquête. Je sais que t'as rien à voir avec le meurtre de Bélion, mais si tu sais quelque chose, si tu protèges quelqu'un, il faut absolument que tu me le dises.
J'y suis pour rien, je protège personne. Ok? Ok, je te crois. Bon, je peux y aller? Mmh. C'est le commandant qui m'a demandé de... Non, mais vous inquiétez pas pour le commandant, il va avoir autre chose à penser. Et allez vous reposer. On se lève tôt, demain j'ai une surprise pour vous. Demain ? Anna de Navelle, c'est notre dernière piste pour retrouver Johanna Dimova. Et si on trouve rien ? Le cannibale va nous bouffer. Ah, vous avez le don de me mettre dans des situations tordues quand même. Aucune trace d'Anna de Navelle. Qu'est-ce qu'on fait? Vous m'avez pas dit que Catherine de Médicis avait habité ici? Ouais. Elle aurait rencontré le duc de Guise. Elle aurait organisé un bal qu'elle aurait appelé le bal des Saint-Luc. C'est ça qui a dû plaire à Anna de Navelle. C'est ça. Et ça, c'est quoi? On touche avec des gants. Oh. Ça, c'est les cheveux de Gian Salviati. Le poète Agrippa d'Aubigné l'aima toute sa vie. Et quand il mourut, on trouva à son poignet ce bracelet tressé avec les cheveux de sa belle. Ah, dis donc, c'est très romantique tout ça. Hein. Et quand vous dites que si on trouve rien, le cannibale il va nous bouffer, vous le pensez vraiment? Ah oui, c'est probable. Raison de plus pour rester calme. Parlez-moi un peu d'Agrippa d'Aubigné. Oui. C'était aussi un chef protestant et un guerrier redoutable. Il est né en 1550. Attendez. Madame de Navelle, nous allons procéder à la fouille de toute votre propriété à compter de maintenant. Séquestration, enlèvement, entrave à la justice. C'est largement suffisant pour une arrestation. Satisfaite? Vous tenez votre petite vengeance? Disons que ça valait la peine d'attendre. Profitez-en bien parce que ça va pas durer. Mais pourquoi pas? Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose. Capitaine, venez voir, j'ai un truc à vous montrer. Vous voyez, il y en a pour des heures de visionnage. Regardez. Ah, Antoine le rigouleur. Très instructif. Ce serait pas deux de vos protégés par hasard? Ces jeunes compatriotes que vous traitez comme si c'était vos propres filles.
Ça vous rappelle pas Catherine de Médicis et ses escadrons volants? Ouais. Ça explique l'origine de votre fortune personnelle. À l'époque, on appelait ça de la diplomatie. Aujourd'hui, on dirait quoi? Hein? Proxénétisme en bande organisée. C'est passible de réclusion criminelle, ça, non? 20 ans. 20 ans. Vous entendez, Anna? C'est long, 20 ans. Et donc, c'est pour nous empêcher de remonter jusqu'à votre réseau que vous avez enlevé et séquestré Johanna Dimova? Bellion avait payé pour ses services. Vous auriez tout intérêt à collaborer, vous croyez pas? Je veux mon avocat. Bon. Allez. C'est quoi ce bordel? Bonjour, comment vous avez tapé une perquis chez Anna? Hein? Vous avez tapé une perquis chez Anna? Pourquoi j'ai pas été au courant, bordel? Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Ok. Effectivement, t'avais du souci à te faire. Hein. Elle a tout gardé de concernant. Tous vos SMS, les documents que tu lui envoyais, les vidéos. Mais comment t'as pu être aussi con? Je sais. Je suis mort. Tant qu'à faire, je préfère autant que ça vienne de toi. Pourquoi? Parce que, avec tout ce que je vous ai fait, Arthur et toi, c'est un juste retour des choses, donc tu trouves pas? Tiens. Ça me concerne plus depuis très longtemps. Regardez, on a trouvé une vidéo de Bellion dans un disque dur d'Anna de Navelle. Je dois parler à Anna. On doit absolument savoir qui est cette fille. Ça peut tout changer. Non, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Plus vous allez lui mettre la pression, plus elle va se refermer sur elle-même. Je la connais par cœur. C'est pas comme ça qu'on arrivera à tirer quelque chose d'elle, c'est sûr. Ah ouais, comment? Je vais y aller moi-même. Hein?
serpent est arrivé. Anna, on est dans la merde tous les deux, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? J'ai plus aucune confiance en toi, Denis. Oh, le salaud. On fait quoi, du coup? Rien. Rien. Et comme ça? Ça va mieux comme ça? Ouais. Ouais. C'est déjà mieux. Sortir de là, je te le promets. Comment? Il faut d'abord que je boucle le dossier Bélion pour qu'Alice puisse retourner à Paris. C'est elle qui s'est arrangée pour taper une perquis chez toi, moi j'y suis pour rien. Tant qu'elle est à Blois, je peux rien faire. Et ensuite? Mais ensuite, on fera comme d'habitude. T'es pas en train de me mentir au moins? Pourquoi je te mentirais? Je veux bien aller en tout, mais pas à cause de toi. Ça me ferait trop mal. Regarde-moi. Regarde-moi. J'ai juste une question. La fille que Bélion agresse sur la vidéo, c'est qui? C'est qui? Elle s'appelle Irina Ganeva. C'était bien de s'y protéger. Bélion était un sadique doublé d'un impuissant. Il la cognait jusqu'à ce qu'elle tombe dans le commun. Et on sait où elle est maintenant? C'est Anna qui s'est occupée d'elle après l'agression. Elle l'a fait transporter à l'hôpital Sainte-Croix. À mon avis, elle est encore. Elle t'a dit à qui elle téléphonait? D'après Anna, elle téléphonait à son petit copain pour qu'il lui porte secours. Mais elle connaît pas son identité. Elle a peut-être cherché à la venger. Ça fait un bon mobile, en tout cas. Comment t'as fait pour qu'elle te raconte tout ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est le résultat. Allez, vas-y, fonce. Fonce. Depuis combien de temps elle est ici? Depuis 6 mois environ. C'est Madame de Navelle qui l'a confiée à nos soins. Et elle vous a dit ce qui lui était arrivé? Oui, elle est tombée de la fenêtre de sa chambre en essayant de sortir en cachette. La police n'a pas été prévenue? Non, c'est un accident. Vous savez si elle a des chances de se réveiller un jour? Pour l'instant, son cœur tient, mais... plus le temps passe et plus on se rapproche du moment où il faudra la débrancher. Elle reçoit des visites? Voilà, comme je vous le disais, son frère Antoine est venu la voir assez souvent. Antoine Ganeva. Anna de Navelle. Regardez, là, il y en a un autre. Arthur Fréquent, il est venu 3 fois. Je dois l'emporter, c'est une pièce à conviction. Qu'est-ce que t'as à venir de si urgent? Je dois parler d'Anna de Navelle. Fais vite, parce que c'est l'anniversaire de ma femme. Dans les jours qui viennent, tu risques d'être emmerdé pour la faire libérer. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Je déconne pas, Pascal. Faut falloir que tu tiennes bon, tu résistes aux pressions. Non seulement elle est coupable, mais l'ampleur du réseau de prostitution qu'elle dirige va te dépasser. Mais comment ça se fait qu'on l'a jamais soupçonné? Parce qu'elle bénéficiait de protection policière. Voilà.
idée de qui ça peut être? Ouais. C'était moi. Tiens. Tout est dans ce petit médaillon. Toutes les preuves qu'elle a accumulées contre moi. Tu te rends compte que tu vas finir en taule? Demande pardon à ta femme, hein? Lui souhaiter un joyeux anniversaire de ma part. D'accord? Pascal. Allez, vas-y. Comment il est avec moi? Chaque fois qu'il me voit, il passe son temps à me rabaisser. N'exagère pas, c'est pas entre vous deux, là. J'exagère pas, il est ignoble. De toute façon, tu peux pas savoir, t'es pas là. Et je vous ai rien demandé, hein. J'aurais pu rester en tôle aussi. Écoute, c'est là pour quelques jours, c'est tout, c'est bon. Mais c'est un truc de facho, ça! Bande de flics de merde! Je tire une tronche, là, je croyais que tu serais content de me voir. Non, s'il te plaît, Alice, fais pas chier, je t'ai dit que c'était pas le moment, c'est tout. Tu m'avais jamais dit que t'avais fait de la garde à vue. Qui va m'arriver alors, maman? On va te sortir de là. Allez, s'il te plaît, reste. C'est quoi, ça? Tu es placé en détention provisoire, Anna, je suis désolé. Tu plaisantes? Non, ces messieurs vont s'occuper de ton transfert à la maison d'arrêt de Blois. Denis, je te préviens, si je tombe, tu tombes. Je sais. Je suis désolé, Anna. C'est bon, messieurs, merci. Je peux pas me faire ça. Denis, réfléchis bien, tu peux pas me faire ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Arthur est venu la voir 3 fois le mois dernier. Si c'est lui le petit copain d'Irina, il a peut-être pu vouloir se manger, ça tient la route. Hein. Je vais détruire le registre. C'est le seul élément matériel qui mène à Arthur. J'arrive pas à croire que c'est toi qui proposes une chose pareille. Je t'ai pas balancé toi, j'ai pas le balancé lui. Que je dise quelque chose, Alice. Le pendentif d'Anna, je l'ai donné au procureur. Pourquoi? Pour me sentir mieux. Et ça marche? Je sais pas. En tout cas, je l'ai fait. Et maintenant, t'as plus le choix. Faut que t'ailles au bout de l'enquête, d'accord? Toi, il t'écoutera. Bah ouais, c'est Irina. Comment tu la connais? C'était ma partenaire de magie avec Gaspard. Tu sais ce qui lui est arrivé? Ouais, elle a eu un accident. Genre, elle est tombée ou un truc comme ça. Et qui te l'a dit? Je sais plus. Gaspard, je crois. C'était ta petite amie? Irina? Non. Arthur, tu sais que je pourrais pas te protéger de tout. Mais me protéger de quoi, Alice? J'ai rien fait. Ouais, mais là, les faits sont têtus. Mais quels faits? D'abord, la gourde d'acide botulique. Maintenant, le registre des visites d'Irina. En plus d'avoir été en possession de l'arme du crime, t'as un mobile. Bah, t'as qu'à faire comme si tu l'avais pas trouvé, ce registre. Je peux pas faire ça. Mais
t'étais ma mère, tu le ferais pour moi. Capitaine, j'ai fait la recherche que vous m'avez demandé. Et ? Aucune trace d'Antoine Ganeva nulle part. Et sinon, Christian Dorvéal a été remis en liberté. Bon, merci, Kevin. Sa fille, elle insiste beaucoup pour que vous passiez la voir. Elle dit que c'est important. Ok. J'ai repensé au vol de mon badge et je me suis souvenu que ce soir-là, je fêtais mon anniversaire ici au manoir. Quelqu'un a très bien pu le prendre dans mon sac et le remettre sans que je m'en rende compte. Et c'était le même soir que l'intrusion au labo ? Oui. Vous avez une liste des invités ? Non. Vous savez comment c'est ici, on invite des amis, puis ils invitent des amis, on se retrouve avec 200 personnes à gérer. Et vous avez des photos ? Ah ça oui, je dois en avoir quelques-unes, oui. Alors attendez, hop. Voilà. Un peu ? Ouais. Vous avez trouvé quelque chose ? Peut-être. Vous pouvez me les envoyer ? Ah, bien sûr. Effectivement. Tu crois que ça peut constituer une preuve ? Je sais pas. On peut rien essayer, en tout cas, au point où on en est. Toi, Arthur. Sincèrement. Je suis désolé pour tout un tas d'autres choses aussi. Je comprends que tu sois en colère. Bon. Regarde-moi. J'ai merdé. D'accord ? J'ai merdé. Il n'y a pas que toi. Si tu parles d'Alice, elle a tout fait pour te protéger depuis toujours. Ouais, c'est ça. Pour me prouver, elle me fout en taule aussi. Elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de te libérer. Je suis pas un assassin. Je le sais, mon fils. Je le sais. Je suis pas là pour t'accabler. Je suis là pour t'aider à t'en sortir. Qu'est-ce que tu racontes ? Alice et moi, on a imaginé quelque chose pour prouver ton innocence. Parce qu'on t'aime. On t'aime, Arthur. Tu le sais, ça. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites là ? Je voulais vous voir. C'est interdit de venir ici pendant que je prépare mes tours. Ça doit rester secret. Et Irina, elle avait le droit. Qu'est-ce que vous racontez ? Ça doit être très romantique de connaître les secrets d'un magicien. Je comprends rien à ce que vous dites. Vous avez gardé votre liaison secrète à cause d'Anna de Navelle ? J'avais pas de liaison avec Irina.
C'était juste une employée. Elle la prostituait. Je vous demandais de sortir. Le jour où Bélion l'a agressée, elle s'est réfugiée dans la salle de bain, elle vous a appelé. Allô ? Allô ? Irina ? Irina ! Vous saviez qu'il était responsable de son coma ? Chaque visite à l'hôpital était une torture. Vous êtes fait passer pour son frère, Anton Ganeva, parce que vous pensiez déjà vous venger. C'est faux. Vous avez attendu la préparation du spectacle. Vous êtes rendu à la fête chez Julie Dorvéal. Vous avez profité du chaos pour brûler son pass. Il vous a pas fallu plus d'une heure pour vous rendre au laboratoire. Voler le botox. Retourner à la fête. Reposer le pass. Vous aviez plus qu'à dissimuler la seringue dans le blaireau du bouffon Chico. S'inquiétez pas, monseigneur. Tout va bien se passer. Psst. C'est pour ça que vous avez choisi ce rôle-là. Parce qu'il vous permettait de vous rapprocher physiquement de Bélion. Et vous en foutiez qu'Arthur soit accusé à votre place. Vous étiez vengé. Vous pourrez pas le prouver. C'est ce que je me disais, puis j'ai repensé à votre bracelet. Celui que vous portez au poignet gauche. Il est très beau. J'ai tout de suite remarqué. Vous l'avez fait faire. Les fils blonds, ce sont les cheveux d'Irina. On va faire une petite comparaison ADN. Sur le ventre. Les mains dans le dos. C'est bon, Florent, tu peux le pincer, là. Peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur le père de Chimène. Percé jusqu'au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Mais ça va, toi ? Eh oui, ça va, oui. Mais comme un mec sous haute surveillance, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu l'as bien cherché en même temps. Bah quoi, ça te fait rire ? T'étais magnifique. Bah, merci. Vous aussi, mademoiselle. Merci, c'est gentil. Ah, ouais. Et t'en as pensé quoi ? Bah écoute, pour être très franc, moi j'ai pas compris grand-chose à la pièce, mais je t'ai trouvé formidable. Non. Vraiment, mon fils. Bah, je suis fier de toi. Vous aussi, mademoiselle. Merci. Je te présente Maxime. Bah, enchanté. Bravo. Et bah, je vous présente Gia. Gia, je te présente Denis, mon père. Enchanté. Et elle, c'est Alice. Enchantée. Enchantée. C'est
Ma mère. Et tu te contentes parce qu'elle a vu son fils sur scène? Ben ouais, hein? Elle est un peu émue. Ouais, je pense. Non, mais t'étais beau. Ce costume, c'est quand même un... Mais tu trouves? C'était couleur, hein.